Et salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Flic Arena. Alors tout de suite, avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo est sponsorisée. Donc je suis payé par le développeur pour faire cette vidéo, donc un grand grand merci à eux de leur confiance. Si vous voulez télécharger le jeu, premier lien en description, n'hésitez pas à faire péter les téléchargements. Le jeu est disponible sur iOS et sur Android, je compte sur vous pour faire péter les téléchargements. Au niveau du jeu, vous allez voir, c'est du très très lourd, il s'agit d'un jeu multijoueur, un contre un en arène. Et vous allez voir, il est très très stratégique. Le but du jeu, c'est très simple, vous constituez une équipe ici, un petit peu comme une petite équipe de foot. Vous avez différentes cartes qui sont disponibles, d'autres qui ne le sont pas, que vous allez essayer de débloquer au fur et à mesure. Pour faire l'état des cartes, on a les grises qui sont les communes, on a les rares qui sont en orange, en violette on a les épiques, et pour terminer les légendaires qui sont en rouge. Alors comme vous le voyez, j'ai énormément de cartes qui n'ont pas été débloquées, étant donné que je suis seulement level 3, je débute tout juste, mais j'ai vu qu'il y avait des Français qui envoyaient du très très lourd. En parlant de Français, il va y avoir un championnat européen qui va être mis en place sur le jeu. Et en gros, comment ça va se passer? C'est très simple. Les 100 meilleurs joueurs du classement français, on va additionner leurs trophées et ça va donner tout simplement le classement de la France. Et on va avoir la même chose pour tous les pays européens. Donc je vous invite tous à essayer de participer et essayer de finir top 100. À savoir que moi, en tant que capitaine de cette équipe de France, les amis, et oui, ça rigole pas, je vais jeter un œil sur les meilleurs scores sur Twitter. Le hashtag qui apparaît juste en dessous, Flic Arena et Senor9 YouTube. Je compte sur vous pour faire péter un maximum de screenshots de votre record en trophée, de votre classement en ligue. Donc on vient de voir les formations, on vient de voir les cartes. Je vais vous montrer maintenant du système de ligue que je trouve juste énorme. Vous avez plusieurs ligues qui sont en place et chacune a une durée assez déterminée. Par exemple, je vais prendre la ligue bronze. Il y a 30 joueurs. Vous avez un jour pour faire vos preuves et comme on le voit, il y a 20 joueurs qui sont promus. Il y en a 10 qui restent en ligue et on a des prix en fonction également du classement. Un coffre en or pour le premier, du 2 à 5e on a un coffre en argent et il y a de l'or par victoire 4. On va parler maintenant de la ligue où je suis, la ligue argent. On est 30 joueurs, la durée c'est comme la ligue de bronze, un jour, il y a seulement 15 joueurs qui sont promus et au fur et à mesure, comme vous le voyez au niveau des ligues, la durée augmente et la saison dure de plus en plus longtemps, à savoir qu'on termine avec la ligue diamant où il y a seulement 30 joueurs, la durée c'est 7 jours. On a un coffre de glace, un coffre royal, enfin des lots juste énormes. Moi je trouve ça juste énorme comme principe. J'aimerais le voir sur d'autres jeux qui sont sur mobile, on citera pas de nom. Ce que je vous propose, on va attaquer avec un petit gameplay histoire de voir à quoi ça ressemble. Let's go les amis. À savoir que je viens de changer ma formation et également quelques petites cartes. Vous avez vu que j'ai énormément de gemmes. On va faire du pack opening juste après, mais avant, du petit gameplay pas piqué des hannetons. C'est parti. Alors lui c'est un gladiateur, il fait beaucoup de dégâts, il a rien de très spécial, il fait beaucoup de dégâts. L'astronaute, il se balade un petit peu où il veut, il peut survoler. Et moi ce que je vais faire, voilà, on a un petit roi comme vous le voyez tout en bas à gauche, lui aussi tout en bas à droite. Wow, c'est parti dans tous les sens les gars. Alors attendez, on l'a refait. On a un roi avec une couronne, c'est lui qu'il faut buter. Sinon vous devez buter toutes les troupes. Et le but du jeu, ben, c'est de tuer le roi adverse. Et à chaque fois que vous le tuez, vous gagnez une étoile. La première équipe à 2 étoiles remporte le combat. Oh, on a touché celui qui envoie les petites bières. Pour l'instant je défends bien mon roi. Et comme on le voit, lui il a plus que 2 petites troupes. Il a le petit roi, alors là on va tout simplement canarder le roi, on va continuer à protéger le nôtre avec le gros petit louf là que vous voyez. Oh, et la boule de feu qui touche le roi adverse. Oh, il vient de tomber. Alors là j'ai deux choix, ou je tue le roi, j'ai gagné, ou je tue celui qui jette les petits fûts de bière et j'ai gagné parce que le roi n'aura plus rien pour se protéger. Du coup on part à l'assaut les amis, c'est parti. Bon, la première sur le fût de bière. Et là regardez mon petit gladiateur ici qui va tout dégommer. C'est un petit samouraï, c'est une petite troupe classique. On pourrait le comparer à un petit chevalier. Voilà, le petit jeteur de bière, le petit alcoolique, on va l'appeler l'alcoolique, qui est mouru. Et on gagne ce premier round, la première couronne. Et du coup, ben, on renvoie la sauce. Alors, sa formation est pas terrible, je trouve, avec le petit trou qu'il y a. Je sais pas ce que vous en pensez. Et regardez, nous, on envoie le feu, on envoie le petit astronaute à droite, le petit spartiate à gauche. Oh merde, j'ai perdu mon spartiate. Il a également perdu une troupe. On est plutôt pas mal pour l'instant. Là, on va pouvoir spam le roi tranquillement parce que celui qui boit de la bière ne peut pas bouger. C'est un peu comme mon dragon, il est immobile. Vous verrez après, je vous montrerai un petit peu les cartes et leurs spécificités parce que chacune a une spécialité et c'est ça qui rend ce jeu stratégique. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Il est très fun. Il ressemble à un jeu que j'avais déjà eu l'occasion de faire dernièrement. Et regardez, l'astronaute, il tombe pas dans le trou. Je trouve ça juste énorme parce qu'il vole. C'est sa petite capacité spéciale. Enfin, il vole. Vous m'avez compris. Alors là, par contre, l'astronaute, vous savez quoi, on va le mettre un petit peu en repli. On va le laisser. Non, je vais le mettre en repli. Oh, temps écoulé. C'est bon, j'ai eu le temps de le replier. Oh, bon. Oh, il va tomber. Il va tomber. Oui, me
monsieur, ces petites saucisses, mamma mia. Ces petites saucisses, alors cette fois-ci, regardez, on va bourriner avec le gros hellouf. On envoie l'astronaute également, on envoie toute la famille sur cette game. Et il a pas compris qu'il arrivait pas à toucher avec son combo. Il a une portée qui a l'air très courte, par contre, je pense qu'il fait très très mal. Allez, l'astronaute, la petite boule de feu. Alors, la boule de feu qui peut toucher mes poteaux et du coup qui ne tuerait pas le roi. Attention, 3, 2, 1, ça va partir dans tous les sens. Oh, le tonneau qui a touché. Allez. Vous avez vu ma petite boule de feu qui a touché mon petit cochon. Du coup, ben pas trop de dégâts. Hop, on termine le roi maintenant qu'il n'y a plus de vie. J'aurais d'ailleurs dû envoyer mon petit cochon sur le roi. Et la deuxième couronne. Alors, je crois que c'est bon. On a le GG si je dis pas de bêtises. Oui, monsieur, la troisième en plus, en bonus et plus 88 trophées. Alors, on voit les récompenses qu'on gagne en bas. On peut visionner une pub et gagner des gemmes ou des coffres. Je trouve le principe génial. Et à chaque partie, il faut savoir que vous gagnez des récompenses. D'ailleurs, en parlant de récompenses, on va aller les ouvrir. Alors, on a des cadeaux assez régulièrement. J'ai récupéré tout à l'heure une carte. Là, si on visionne une pub, on a 12 infirmières. C'est une carte qui soigne toutes vos troupes à la fin du tour. On a un petit coffre en or. Ce que je vous propose, on va aller l'ouvrir. Je crois qu'il y a 20 fragments de guild. Je ne sais pas à quoi ils servent ces fragments de guild. Si vous avez une idée en commentaire, dites-moi à quoi ça sert et dites-moi en commentaire ça. C'est la question que je vais vous poser. Quelle est votre troupe préférée sur le jeu? Si jamais il y en a qui connaissent, on va regarder de toute façon les cartes juste après. Moi, j'aime beaucoup le gros hellouf. Oh, le soldat! Le soldat, il est énorme parce qu'il jette une grenade en même temps. Nice! La brute, alors la brute c'est un gros gros tank qui encaisse les dégâts, d'accord. Et on enchaîne avec le légionnaire, ça c'est une troupe assez classique, assez équilibrée. Oh, je vois que j'ai une autre récompense ici, 60 infirmières pour 1500 pièces. On va pas acheter ça, ce que je vous propose c'est de faire du pack opening. On a du coffre magique ici avec 40 fragments de guild et 16 cartes, dont au moins une rare. Au niveau du coffre royal, ce sera 32 cartes et au moins 3 rares. Et au niveau du coffre de glace, ce sera 64 cartes, 6 rares et 2 épiques. Les amis, ce que je vous propose, on va tous les essayer. On commence par un petit coffre magique, 534 pièces. Putain, ça fait plaisir, du pack opening. Je veux une hola en commentaire. 40 fragments de guild, 5 spikes, oh c'est nouveau ça. Je ne connais pas du tout cette carte, on va aller la découvrir ensemble les amis. On enchaîne avec la prochaine carte, ce sera de la brute. Ok, la brute épaisse. Oh, le frisson! Alors, la spécialité du frisson, c'est très simple. La première carte qui va le toucher, elle va être gelée pour le prochain tour. Juste énorme, les petits frissons. Et on enchaîne avec un petit soldat qui est une petite carte commune. Catastronaute, l'astronaute que je joue seulement de niveau 1. On va pouvoir le monter de niveau 2. La pieuvre, bitches! Oui, monsieur, la pieuvre qui fait plaisir. Mais nous, ce qui nous intéresse, le coffre royal. 420 gemmes, c'est parti. 1153 pièces, 80 fragments de guild. On enchaîne avec 14 brutes, 4 pieuvres, la pieuvre qu'on va pouvoir monter de niveau 2 et essayer aussi je pense. 4 soldats, yes, je voulais essayer le soldat, je sais pas si j'essaye le soldat ou le spike, on va essayer les deux. Vous savez quoi? Oh, la witches, la witches, bitches. Je sais pas du tout à quoi elle sert, on va découvrir ça ensemble juste après de l'astronaute et on terminera avec une infirmière. C'est parti, 840 gemmes, 2482 pièces. Il est magnifique le coffre. On enchaîne avec 160 fragments de guild. La suivante sera de l'astronaute. Du dragon. Ça c'est nice le dragon que j'aime beaucoup. Vraiment très sympa. Du frisson. D'accord. Oh, de l'orque. Une épique. Je ne la connais pas. On va aller la découvrir ensemble juste après. De la brute épaisse. Et on termine avec 20 légionnaires. Waouh, juste énorme. On va se faire un dernier coffre ensemble les amis. Ensuite on enchaînera avec du gameplay. On a de la carte à essayer. 160 fragments de guild. Je sais pas toujours à quoi ils servent. On a du spike. Du dragoon, 9 dragoons, on enchaîne avec 14 légionnaires, 16 soldats, de la witches. Oh, du magmort, 2 magmort, c'est nouveau ça aussi, mais ça... Oh, le magmort, mais c'est énorme, je l'ai vu tout à l'heure, le magmort, il est juste énorme. On a le spike, l'astronaute, je vous propose de garder l'astronaute, j'aime beaucoup l'astronaute, on va juste le monter en niveau. Oh, on passe au niveau 4. Sur cette montée en niveau, on a des nouveaux personnages disponibles sur le pack opening. Voilà, ils sont là, tous les personnages à découvrir, donc on a de la légendaire. On a du pirate épique, waouh, il y a énormément de cartes, énormément de spécialités. Je pense qu'il y a énormément moyen de s'amuser. Je rappelle que si vous voulez télécharger le jeu sur iOS, sur Android, c'est gratuit. Premier lien en description, faites-moi péter les téléchargements. Et n'hésitez pas à rejoindre le clan Team Truitouille. Là, je change complètement de sujet, mais petite pub pour le clan Team Truit. Vous avez l'idée qui est juste en dessous. Pour l'instant, je suis toute seule à 1000 trophées en recrute. Donc n'hésitez pas à rejoindre un maximum le clan. Alors avant de lancer la game, je vais vous montrer l'emplacement tout en bas à droite, qui est tout simplement un petit peu votre coffre fort, l'emplacement des coffres. Comme on le voit ici, il y a les coffres qu'on stack. On en a 4 et du coup c'est parti. On est contre Creepy. Oh, oh.
première couronne. Le roi qui prend une boule, le gangbang qui paye. What the fuck? Le game over et le GG, les amis. Oh là, en commentaire, magnifique cette game. On relance une game actuellement, quatrième de ma ligue. On n'est pas encore premier. On va essayer de tout faire pour terminer premier et gagner ce petit coffre en or. Let's go, les amis. Alors, on y compte où, nous? On va le mettre en défense et le grenadier tout devant là-bas. Oh, il a deux distances là. Il a celui qui jette des bières et l'autre. Oh, la grenade qui est pas mal. Oh, ma sorcière qui a pris cher. Hein. Ma sorcière qui a pris cher mais qui se retrouve bien replié. Oh putain, j'ai perdu des troupes. J'ai perdu des troupes au combat, les gars. En plus, je suis gelé là. Du coup, ça va. On va juste envoyer l'orc tout seul. Et le gars qui est gelé, il est gelé. Oh, elle touche la witch. Hein. Elle touche. Oh putain, là par contre, ça devient chaud, les gars. Ça devient très chaud. On va bouffer lui. Pour 3, 2, 1, ça va partir. Oh, j'en ai tué deux. Il en a tué un. On a encore l'autre qui a envie. Ce que je vous propose, nous, c'est d'attaquer le roi. On envoie la witch ici devant. Normalement, mon roi est survie. Mon roi est survie, les gars. Mon roi est survie. Mon roi est survie. Oui, monsieur le GG. Une couronne à 0. Vous avez vu, super stratégique. Il commence à se fâcher. Il commence à se fâcher. On va lui faire petit pouce bleu. Et du coup, bah, on renvoie la sauce. On envoie ici les petites flèches. Et nos trois, normalement, là, il est safe. Il est safe. Oh, le GG. Le GG. Encore une fois. Oh, la récompense. C'était quoi, ça? Le premier coffre magique. Mais oui, monsieur. On va l'ouvrir. On l'ouvre immédiatement. On n'a pas le temps de niaiser. 537 pièces. On enchaîne avec 40 fragments de guilde. Un spike. 4 brutes. Un dragoon. Du légionnaire. Du soldat. Et on termine avec... Oh, la petite inferme. Moi, j'aime beaucoup l'inferme. Je la trouve mignonne, personnellement. J'espère, en tout cas, mes petites truites, que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, bombardez-moi cette barre de pouces bleus. Dites-moi si vous avez apprécié vraiment le jeu qui est propre. C'est une vidéo sponsorisée, mais le jeu qui est vraiment très propre. Au niveau des cartes, il y a vraiment de la variété. On voit qu'ils ont travaillé au niveau de la stratégie. Il y a moyen de faire des trucs très très sympas. Dites-moi en commentaire également votre record de trophée. Et je verrai un petit peu où est-ce que je me situe par rapport à vous. Moi, je vais vous faire des gros gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.